La veine fantastique perdure pendant tout le 19e siècle grâce à un médium qui est l'estampe. La veine fantastique n'habite pas toute l'histoire de l'art et toute l'histoire de la peinture du 19e siècle. Il y a d'autres courants qui vont prendre le relais, le courant réaliste, l'impressionnisme, etc. Mais dans le noir et blanc, les artistes qui préfèrent cette veine fantastique vont trouver un refuge salutaire et vont pouvoir exprimer cette veine fantastique. Donc il y a une véritable continuité et c'est le fil noir, on pourrait dire, de cette exposition qui est déroulée depuis Goya jusqu'à Redon. Cette exposition invite à une relecture du romantisme parce que l'introduction montre comment certaines figures tutélaires de l'histoire de l'estampe ont été regardées, appréciées et réinterprétées par les artistes. Donc là, c'est juste une section d'introduction avec 13 pièces, parmi lesquelles Dürer, Rembrandt, Callot, La Tentation de Saint-Antoine, mais aussi Piranèse et surtout Goya. Puisque ce sont les caprices de Goya qui vont déclencher cet intérêt pour le fantastique et cette veine fantastique dans le noir et blanc. Ensuite, on a le romantisme dit historique, autour de la personnalité de Lacroix, autour des années 1830, qui est un moment très important pour cette veine fantastique, qui est une veine qui tire ses sujets de la littérature, des contes d'Hoffmann notamment. Et ce romantisme qu'on croit complètement mort autour de 1848, puisqu'en peinture on a l'émergence de l'école réaliste, n'est pas complètement mort et on parle d'un romantisme Second Empire ou du romantisme des années 1860 qui va justement se déployer dans le noir et blanc, dans les dessins de Victor Hugo par exemple, et dans l'estampe en particulier, à travers des personnalités comme Gustave Doré, comme Mérion, comme Bresdin, qui sont très bien représentées dans l'exposition. Et il y a une sorte de troisième vague romantique représentée par Odilon Redon, très important ici dans l'exposition et très important pour Bordeaux puisqu'il est bordelais, qui illustre ce troisième temps du romantisme qui préfigure le symbolisme. On ne parle pas encore de symbolisme, mais on peut parler d'une sorte de troisième vague romantique qui prend sa source dans l'intérêt qu'ont ces artistes pour les générations antérieures, notamment pour Granville, pour Delacroix, mais aussi pour Goya, qui continue à avoir une influence prédominante sur ces artistes. Et le noir et blanc est le langage par excellence des visionnaires, Redon le dit très bien, et c'est parce que c'est le langage des visionnaires, parce qu'il induit une distance par rapport au réel, qu'il va permettre à ces artistes de s'exprimer dans une veine fantastique. Dès le début, finalement, l'influence littéraire est énorme. Donc, comme je vous l'ai dit, les contes d'Hoffmann, c'est vraiment un déclencheur évident, mais également le Faust de Goethe, qui va être aussi une source d'inspiration pour Delacroix et pour d'autres, et Victor Hugo. Victor Hugo est une personnalité phare qui, finalement, se retrouve dans toute l'exposition parce que ses textes vont être source d'influence importante pour les artistes. D'abord ses textes, puis ses dessins eux-mêmes.
qui vont être regardées et qui vont aussi servir de source à ces artistes. Et puis ensuite, d'autres sources, Edgar Poe, évidemment, qui arrive au milieu du siècle, dans les années 1860, regardé beaucoup par Rodin et par d'autres, et qui va être aussi une source pour toute cette veine fantastique. Puis Barbey d'Aurevilly, Flaubert, La Tentation de Saint-Antoine et d'autres. Sachant que dans l'exposition, on ne parle pas vraiment d'illustration. Ce sont des sources d'inspiration. Les artistes vont y puiser une inspiration, mais il y a très peu, finalement, d'illustration au sens littéral du terme dans l'exposition. C'est vraiment, la littérature est un déclencheur, un stimulateur finalement d'imagination, plus qu'une source d'illustration littérale. Alors le lien avec la vidéo d'Agnès Guillaume qui est présentée en annexe de l'exposition, cette vidéo s'appelle My Nights, est évident parce qu'effectivement il y a un lien par le sujet lui-même. Il s'agit de représenter pour elle ses nuits sous forme d'une vidéo et ses nuits relativement cauchemardesques. Du point de vue formel, c'est extrêmement intéressant parce qu'elle a utilisé des films en négatif, donc noir sur fond blanc. Elle a filmé des pigeons blancs mais qui se retrouvent en noir sur un fond blanc, exactement comme c'est le cas de beaucoup d'artistes graveurs qui vont utiliser le noir comme une matière vraiment expressive et qui vont utiliser ce qu'on appelle par exemple la manière noire lithographique, c'est-à-dire essayer de faire sortir des blancs du noir. C'est exactement ce qu'elle a voulu faire, donc il y avait un rapport formel très intéressant, mais également par les thèmes, puisqu'il s'agit de ses nuits et que tout ce qu'on voit ici dans l'exposition, c'est très nocturne, que les oiseaux qu'elle a, qui sont des pigeons, mais qui sont noirs, dans son film qu'elle a filmé, font écho à un certain nombre de volatiles nocturnes qui sont également présents dans l'exposition, et notamment dans le fameux frontispice des Caprices de Goya, Le sommeil de la raison engendre des monstres, dans lequel il y a des oiseaux nocturnes et des chauves-souris. Alors un petit coup de cœur pas connu, parce que je trouve que l'intérêt de l'exposition, c'est au-delà des grands noms que nous présentons, Delacroix, Gustave Doré, Mérion, Redon évidemment, Klinger, Ensor, qui sont des noms attendus. L'idée de l'exposition, c'était de faire sortir des noms moins connus et de montrer vraiment des trésors qu'on conserve donc au département des estampes et de la photographie, mais qui sont inconnus ou relativement inconnus du grand public. Parmi ces noms, il y en a un que j'ai envie de prononcer devant vous, c'est Eugène Viala. Eugène Viala, c'est un artiste aveyronnais qui a une veine totalement fantastique, des grandes planches fantastiques. C'est un contemporain de Redon, ce sont des eaux fortes, très puissantes, très belles. Et c'est un artiste extraordinaire qui est totalement à découvrir, qui est représenté ici par trois planches et que j'invite le public à venir découvrir. Mais c'est un coup de cœur découverte.